Est-ce que ça va? Oh là là, je vous entends pas. Est-ce que ça va? Très bien, eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être parmi nous cet après-midi. Merci d'avoir bravé la foudre, d'avoir bravé ce temps magnifique qui fait à l'extérieur et surtout les consignes, puisque je crois que le préfet a donné comme consigne de ne pas sortir de chez soi et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé l'animation Bras et Noz, qui ne peuvent malheureusement pas venir car il y a des routes bloquées. Voilà. Nous, tous les artistes, il y a eu quelques retards également, mais tout le monde est là, tout le monde est prêt. Alors avant de commencer le spectacle, comme vous le savez, hier, il y avait donc le concours de close-up dans les restaurants et le concours de scène à la salle Lille Pons. Et donc j'appelle les organisateurs, j'aimerais que l'animation Bras et Noz me rejoigne sur la scène. Alors, Monsieur le Président, alors moi je ne vois pas la salle, si on peut me l'éclairer. Donc Dominique, je ne sais pas qui c'est qui est tourmenté, Françoise, et Wilfried, le directeur des concours, que je vous demande de bien vouloir applaudir. Voilà, merci d'être présent. Donc les concours se sont bien passés. Très bon accueil, très bon niveau. Un petit mot peut-être hein, sur l'organisation générale, malgré toute cette pluie. Pas trop facile. Non, pas trop facile. Bonsoir à tous. On est un petit peu émus parce que, comme l'a dit Franck Boudon, les intempéries sont catastrophiques. Beaucoup de personnes sont restées chez eux, et fort heureusement, parce que ceux qui habitent sur la salle de la Darsénie, ben, il y a pas mal de routes qui sont bloquées. Donc merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Oui, un beau plateau, Franck, ce week-end. Concours de close-up dans 4 restaurants. Ça s'est très très bien passé. Il y a eu beaucoup de monde. Ensuite, concours de scène hier soir. Au préalable, dans l'après-midi, il y avait des ateliers pour les enfants dans le hall du théâtre. Donc, ces productions, un beau plateau ce week-end. Merci. Et ce soir, cet après-midi, donc le grand spectacle, hein, vous l'avez annoncé. Je remercie tous les bénévoles qui ont participé et qui ont œuvré à cette manifestation. Donc merci à tous, merci à la ville de Morignan. Sans eux, on n'aurait pas pu concrétiser et subventionner cette manifestation. La technique, le théâtre, toute l'équipe de Raphaël Scrivo, qu'on remercie aussi, qui ont été depuis ce matin. Très tôt ce matin à l'œuvre pour aider la venue des artistes. Donc voilà, je crois que Guillaume et Steve en technique, voilà, merci à eux. Merci de votre professionnalisme, Winfrey, hein, directeur artistique de la soirée hier soir. Merci à vous. Hein. Très carré, impartial. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole et je vous souhaite malgré tout une très bonne après-midi et un beau spectacle. Merci. Donc nous allons commencer par le close-up. Alors le close-up, le troisième prix a été attribué à Loki. Loki. Et là. Alors il y a un superbe trophée comme d'habitude. Il devait être là. Ah, bon. Donc tu remettras le trophée, donc troisième prix de close-up attribué à Loki. Le deuxième prix close-up a été attribué à Elvis. Il est là. Et le premier.
premier prix de close-up a été attribué à Magic Julien. Il n'est pas là. Il n'a pas pu, il n'est pas bloqué. Je crois qu'il a un représentant. Non ? Ah, voilà. Donc il va récupérer le prix de Magic Julien. Toujours c'est super, hein, je crois qu'on peut montrer au public ce superbe trophée exclusif à la manifestation de Dragon d'Or avec un petit dragon en suspension à l'intérieur avec des cartes pour le close-up. Voilà, on passe à la catégorie scène. Donc scène, le troisième prix a été attribué à Patrice Carado. Le deuxième prix scène a été attribué à Lorenzo Venturi. Il est là. Lorenzo Venturi et sa partenaire, bien sûr. Voilà, on peut dire. Il a tout son matériel dans les livres. C'est pour lui. Bon courage. Et donc le premier prix de scène a été attribué à Bertrand Gilles. Alors il est là. Alors je vous explique juste pourquoi il est là, parce que donc, le premier prix de scène va commencer le gala. Donc on lui remet son prix, il va vite se préparer. Voilà. Premier prix de scène, bravo. Voilà, donc il s'éclipse parce qu'il va se préparer. Voilà, eh bien, un bon niveau, de superbes trophées, de superbes prix. Je crois qu'on peut applaudir les candidats primés, mais aussi tous les candidats qui sont venus, qui ont participé. On peut les applaudir bien fort, qui ont fait de superbes prestations dans les restaurants et sur scène. Bien soir, voilà, merci beaucoup.